Je suis Clara Chaloux, nous sommes ici au Festival Circulation au 104 à Paris dans le 19e et je fais partie du comité artistique de Fêtard qui fait la curation de cette 12e édition. L'objectif de Circulation, c'est d'être un état des lieux tous les ans de ce qui se passe en photographie émergente en Europe. À partir du moment où les artistes sont choisis sur Circulation, on a vraiment un travail en fait, d'échange avec eux, parce que c'est souvent aussi des jeunes photographes qui ont assez peu exposé. Nous, on va amener plutôt un concept scénographique et une homogénéité pour que les travaux vraiment se répondent entre eux dans la salle, parce que c'est un peu l'enjeu. On essaye de se rapprocher au plus près de ce que veut l'artiste et en même temps le challengeant un peu et en essayant de le faire aller un peu plus loin pour montrer son travail. Donc cette année, on fait un focus sur la scène arménienne. On a découvert une scène émergente qui était vraiment foisonnante et pleine de force et qu'on ne connaissait pas. On voit dans les quatre artistes qu'on découvre ici la diversité qui peut se faire dans la scène photographique arménienne. On a différentes approches et différents sujets qui sont abordés. Et l'Arménie a un contexte géopolitique actuel qui est très présent car une guerre est en cours depuis de nombreuses années dans le Haut-Karabakh. Donc on a deux sujets qui se répondent sur deux approches différentes mais qui sont vraiment sur cette histoire du pays. Il y a un dialogue qui se crée entre les deux travaux parce qu'ils sont face à face dans la salle avec le travail de Vaginac qui est sur un mur orange qui répond au travail de Hareg. Et c'est là où vraiment on a quelque chose aussi qui se crée dans la salle et que les travaux peuvent correspondre. Et en parallèle, on a aussi des approches beaucoup plus contemporaines, théâtralisées avec par exemple le travail de Karen qui fait vraiment des mises en scène qui a quand même un travail très engagé sur une critique de la société, mais qui n'est pas du tout traité de la même manière. Ou en parallèle, un travail aussi documentaire de Sona, mais sur une ville particulière en Arménie, et sur toute une nouvelle génération qu'elle suit d'Arméniens, et donc ça raconte aussi une histoire du territoire et du pays. En fait, on redécouvre les œuvres à chaque fois qu'on les voit imprimées sur le mur, ça change tout. On a pu avoir la chance d'avoir une grande opportunité d'encadrer déjà l'ensemble des travaux et de pouvoir jouer avec une diversité des formes. On va avoir quelquefois des cadres très épurés, avec un papier très mat pour vraiment donner en fait corps à l'image et mettre en avant l'image. Et par exemple, sur un travail plus de Karen, qui est plus artistique et plus expérimental, là, on va pouvoir se permettre d'épingler seulement les tirages non contrecollés au mur pour leur donner une vie différente et une matière différente, et en même temps les contrebalancer avec des tirages encadrés au sol, très finement, juste en blanc. Et du coup, ça leur donne de la contenance, ça leur permet d'être au sol et d'avoir de la matière, et en même temps, ça permet de se répondre très bien avec d'autres tirages qui sont mûrs. Au Festival de Circulation, on a vraiment un enjeu majeur, c'est de défendre les artistes, mais aussi de défendre l'image. Et en fait, l'image, elle a une matérialité, elle a un grain, et ce qui en fait accentue le travail artistique de l'artiste. Et vraiment, tous les ans, on se le dit, on va redécouvrir les travaux quand on les déballe et quand on les met au mur. Et c'est là où on se rend compte aussi de la force des images, en fait, et de l'objet de l'image. C'est une grande chance pour nous, déjà parce que ça nous offre un choix très fort dans la possibilité et des encadrements et des impressions qui sont déjà de très grande qualité et en plus qui nous permet vraiment de jouer, de, comme je pouvais le dire tout à l'heure, de faire se répondre d'avoir une diversité de se faire se répondre les travaux entre eux. Il y a aussi un partenariat qui est important de créer des liens en fait avec d'autres acteurs qui nous soutiennent, qui soutiennent la photographie et qui permettent de voir des événements comme ça voir le jour.